Pandémie oblige, pas question de tenir les célébrations de la fête du Canada sur les plaines d'Abraham comme à l'habitude. À Québec, les festivités du 1er juillet se déplacent sur le web avec trois webdiffusions qui seront offertes gratuitement sur la page fêtesducanadaquebec.ca. Une première commence à 9 h, c'est une zone du monde. On découvre la culture, les ethnies qui vivent ici à Québec, qui nous côtoient, Brésiliens, Africains. L'occasion de voir notamment des prestations des femmes au tambour de Wendake. Ouais, La deuxième émission à 11 h sera dédiée aux enfants. L'animatrice Tammy Verge recevra plusieurs invités bien connus des tout-petits, dont Arthur l'Aventurier et Hachoum. Voyons, en passant, ce one-man show-là, c'est comme le premier. Hein? Si vous sortez d'ici plus intelligent, là, c'est un accident. Quand est-ce qu'on est vraiment fiers d'être Canadiens? C'est pendant les Olympiques. Pendant les Olympiques, là, les Canadiens, là, on est Canadiens, pas à peu près. L'humoriste P.A. Méthode présentera un numéro d'humour sur le thème des Olympiques à partir de 19 h. Au cours de la soirée, plusieurs belles voix s'uniront pour interpréter une chanson hommage aux travailleurs essentiels du Canada. Florence K, Philippe Bande et Laurence Nerbonne seront de la fête. Quant au traditionnel gâteau de la fête du Canada, il ne sera pas servi sur la terrasse du frein. Toutefois, plus de 800 personnes pourront déguster des gâteaux livrés chez eux grâce à un concours qui s'est tenu récemment. 1er juillet, on va tirer des gens, on va aller dans leur rue, puis on va distribuer des gâteaux, la musique, puis quelques autres surprises. Aussi, entre 20 h et 22 h, l'émission « La fête du Canada ensemble », co-animée par Pierre-Yves Laure, sera diffusée sur les ondes de Ici Radio-Canada Télé. Le spectacle fera écho au mouvement Black Lives Matter. C'est vraiment un spectacle de musique. Puis je tombe pas dans un cliché en disant qu'il y a de la diversité dans le Canada, alors c'est ce qu'on a essayé de rassembler. Une fête du Canada différente, mais qui conserve son esprit festif.